Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un pan aux côtés du Burkina Faso et également dans l'Afrique dans son entièreté avec cette information qui est à notre portée. La Russie veut proposer un nouveau modèle et système dont beaucoup ont des années, voire des décennies d'avance sur leurs homologues étrangers et leurs sont nettement supérieurs en termes de caractéristiques tactiques et techniques. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Alors comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, à l'en croire, les armements dont il est question sont notamment les armes d'infanterie, d'artillerie, l'aviation, les véhicules blindés et les drones. Pourtant, jusqu'à présent, la guerre n'a pas été une victime convaincante pour l'industrie de l'armement russe. Les forces du dirigeant russe ont été repoussées des deux plus grandes villes d'Ukraine et n'ont progressé que lentement au prix de lourdes pertes dans l'est du pays. Les analystes militaires occidentaux estiment que les mauvaises performances des troupes et de l'armement russe en Ukraine pourraient rendre les exportations d'armes de Moscou moins attrayant pour les acheteurs potentiels comme l'Inde, qui a beaucoup compté sur sa technologie dans le passé. Et également, s'il faut le dire, la Russie est prête à proposer à ses partenaires et alliés les armements les plus modernes. Les armements russes sont appréciés dans le monde entier par les professionnels militaires pour leur fiabilité, leur qualité et leur haute efficacité. Je suis convaincu que nous pourrons assurer la sûreté et la stabilité de nos pays et du monde entier en réunissant nos efforts et nos potentiels, a déclaré le maître du Kremlin. Le système dont beaucoup ont des années, voire des décennies, d'avance sur leurs homologues étrangers. Tout en réitérant ses relations avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, la Russie s'est dit prête à offrir à leur pays les armements les plus modernes afin notamment de lutter contre le terrorisme et sauvegarder l'intégrité nationale dans leurs pays respectifs.